Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bah très bien, merci beaucoup. Alors, quelles sont tes premières impressions après tes premières rallyes avec la Hyundai? Pas mal, je dirais qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais on sait, c'est une nouvelle équipe, donc il reste pas mal du travail. Mais on progresse rapidement, à chaque rallye il y a une petite évolution, et c'est sympa à voir maintenant en termes de... En termes de performance, c'est sûr qu'il reste encore un gros travail à faire. La voiture, elle sera peut-être pas la plus performante cette année, mais on travaille sur la nouvelle voiture pour 2015. Donc à partir de cette année-là, je pense qu'on sera à nouveau avec les meilleurs. Et sinon, que penses-tu de cette 50e émission du Rallye d'Ypres? Bah écoute, j'ai rien vu du parcours. Apparemment, c'est plus ou moins la même chose que l'année passée. Voilà, moi je suis là. Pour conseiller un peu Eurosport, pour faire un peu de commentaires, pour être présent au Service Park, surtout aussi pour voir les nombreux fans qui viennent chaque année ici. Donc c'est sympa pour moi, mais j'aurais préféré d'être derrière le volant. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de R5 chez Hyundai. Et tu penses que la victoire va se jouer entre qui et qui? Difficile à dire, mais je pense que Freddy Loix va être à nouveau bien devant. Comme Brin et Abrin aussi, qui vont être très performants. Et puis peut-être une ou l'autre surprise. Bah, je te remercie beaucoup et puis bonne chance pour ta suite de ta saison. Pas de soucis.